Oja, la première, mwe rancunier et prêt à pardonner. Usiwe mkasirifu sana na uwe tayari kusamehe. Changembe, mwe rancunier. Asiye kasirika sana. Weka kinyongo. Asiye weka kinyongo. Hasira. Asiye chunga hasira. Mm-hmm. Rancune. Kinyongo. Hasira. Mm-hmm. Il a gardé la rancune contre moi. Ni mutu. C'est quelqu'un. Muna korogana. Dont vous vous querellez. En affaire semblant que vous me patane. Il fait semblant comme si vous vous êtes entendu. En akuchunga pour nyatakupigia. Il t'entend au coin où il va te frapper. C'est vrai. Anakueke ya muroho chuki. Il te garde dans son cœur. Anakueke ya kinyongo. La rancune. Anakueke mpango wa kukulipisha kisasi. Il garde dans lui le plan de te faire manger. Mais wakati mumekorogana. Mais pendant que vous vous étiez querellé. Alikuonyesha. Il t'a montré. Kimia. Silence. Nanakwambia. Et il te dit. Pas de problème. Hakuna shida. Weye unawaza ni amani. Et toi tu penses que c'est la paix. Bien utaenda kuona kule mbele. Et tu seras en train d'observer là devant. Kule bien utaenda kuona kutendea. Et ce qu'il sera en train de faire pour toi. Comprendre que hamkusameheana. Tu comprendras que t'as jamais pardonné. Deuxième qualité. Tabia ya pili. Celui qui est conscient. Mwenye. Des imperfections humaines. Nakuwa na mazaifu ya kibinadamu. Mutu anayeyua ya kwamba mutu anaweza kuwa na mazaifu sawa mwanadamu. Mais lakini qui est prêt à s'améliorer. Aliye tayari kubadilisha, kukosoa. Un homme, mutu, une femme, mume mke, qui est conscient ou consciente, ambaye anajua mwenyewe, qu'il a des failles, ya kuwa ana mazaifu, qu'il a des choses qu'il ne peut pas faire bien par rapport à son conjoint, anajua kwamba kuna mambo mazuri asiyotendea mwenziwe, mais lakini, qui reste disposé, anakuwa tayari, à changer, kubadilisha, kugeuka, kutotosheka. Le contentement, c'est le kutosheka. Ah. Kutosheka, voilà. Kutosheka. Ceci. Je vais vous dire une chose. Nitawambia jambo moja. Kipata bwana mwenye kuna hii kitu wanaita le contentement. Si yani kutosheka. Un mari qui a cette qualité de contentement. Unapata neema, unapata bibi mwenye kuna contentement. Tu trouves la grâce de trouver une femme qui a la qualité de contentement. Contentement manake kutosheka na hali yoyote mnapita amo. Le contentement signifie être satisfait. Bila kukoroga mwenzako jua mkukua sawa ba fulani. Sans troubler l'autre parce que vous n'êtes pas comme de tels. Kungoje ya muda wa kuinuliwa na bwana. Attendre le temps d'être élevé par Dieu. Bila kukoroga mwenzako sababu hamuko sawa kwa fulani. Sans troubler l'autre parce que vous n'êtes pas comme chez tel. Amen. Ouverture au dialogue. Kuwa na muda wa mazungumzo. C'est parler. Kuongea. Donner à l'autre du temps. Kupatia mwenzako muda wa kukwambia. Faire des concessions lorsqu'il y a un débat. Sorry. Faire des concessions. Kuitika kuachilia ma décision zimoya. Wakati munakuwa mububishi. Bimoya unaitika mwenzako wakue na raison. Usikue na raison. Unasema bo. Hivi we unaona hivi bo. Tukamatie kubiako. Pana mtu anasimama sawa chevron. Panke quelqu'un qui se tient comme un chevron. Ah, ou me bouger mon position. Tu ne peux même pas le bouger dans sa position. Chérie, mina, non, 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 chérie, non, 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 apana, apana, apana. Écoutez, msikie, celui qui t'aime, mwenye anakupenda, dans le foyer, mubonyumba, qui te donne le temps, anakupa kamuda, te fait un beau cadeau, anakupa zawadi nzuri. Je sais qu'il y a des couples assis ici. Najua kuwa kuna ndoa wanaokaa hapa. Peut passer même deux semaines sans se parler. Wanaweza fanya hata wiki mbili pasipo kuongea. Qu'est-ce qui signifie se parler? Kuongea maana yake nini? Il y a se parler et se parler. Kuna kuongea na kuongea. Dire à quelqu'un. Kwambia mtu. J'ai besoin du savon. Nahitaji sabuni. C'est se parler. Ni kuongea. Mais dire à quelqu'un. Lakini kwambia mtu. Assis-toi. Ka. Je m'assois. On parle des problèmes de notre foyer. Shida za wetu. On vient d'où? Zinatoka ka wapi? On va où? Tunaenda wapi? Qu'est-ce qui va?
Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux rectifier où? Tu peux rectifier où? Parlons de notre foyer. Je te dirai là où je me sens blessé. Je te dirai aussi là où je suis content de toi. C'est ce que moi je suis en train de parler. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Maana hii ni sheria na manabii. Chenye unapenda bakutendeye. Ce dont tu veux qu'on fasse pour toi. Tuwe na kifanyizia mwenza. Amina. Faut le faire aussi pour l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Hii mapenzi. Cet amour. Ya empathique. L'amour empathique. Ni wakati uko naona mwenzako. C'est quand tu vois l'autre. Unajitia kunafasi yake. Tu te mets à sa place. Na hali yenye ikuamo kama inamuhuzunisha. Et la situation dans laquelle il se retrouve. Na we huzuni ya mwenzako inakunasa. Et toi aussi cette tristesse doit te prendre. Kama ni bibi hafurahi. Si c'est une femme qui n'est pas contente. Na we bibi habimfurahisha habikufurahishe. C'est donc qui l'a rendu mécontent doit aussi te rendre mécontent. Kama ni bana narudia. Si c'est un mari qui rentre. Amevunjika moyo. Le brise le cœur. Na unamkutana mshambre haiko mweta ya bien. Et il rencontre dans la chambre il n'est pas dans un bon état. Na we unaanza muuliza. Et toi aussi tu vas commencer à lui demander. Nini chéri. Qu'est-ce qui ne va pas mon mari? Six, c'est quoi? Ya sita ni nini? Sagesse intellectuelle. Sagesse intellectuelle. La sagesse pour l'homme. Hekima au busara. Et l'intelligence pour la femme. Na akili kwa mwanamke. C'est différent. Ni vitu viwili tofauti. La Bible dit. Biblia inasema. Ayez de la sagesse envers dans vos rapports avec vos femmes. Eti iweni na hekima katika mahusiano yenu. Comme avec un sexe plus faible. Kama vile kuishi mwenye kuwa na kiumbe kizaifu. Honorez-le comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Mwaheshimu kama vile warizi pamoja wa neema ya mbinguni. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Muishi hivyo ili kusiwe jambo litakalozuiza maombi yenu. 1 Pierre 3, 5. Petro ya kwanza 5, 7. Petro ya kwanza 3, 7. Uishi na muke. Vie avec la femme. Na uko na busara. Na hekima. Ya kutokuwa na jilinganisha na eke munataka zienda ke muko ego. Ne pas te comparer à elle sachant que vous n'êtes pas ego. Kama ni chombo kizaifu. Sachant que c'est une faible. Wewe unakuwa na sagesse. Wewe unakuwa na hekima. Ya kumuvumilia mubimoya. De la supporter dans certaines choses. Usipofanya hivi, si tu ne fais pas ainsi, maombi yako itakuwa bloqué. Tes prières seront bloquées. Oui, oui. Amen, amen. Je saute tout. 7. Ya saba. La sociabilité. Mupenda watu. Mutu mwenyeko tayari kukuletea barafiki. Quelqu'un qui est prêt à t'apporter des amis. Un bon mari, c'est quelqu'un qui sait chercher les vrais amis. Mume mwema ni yule ajuaye kuwa na rafiki wema. Une bonne femme, c'est celle qui sait chercher les amis. Mke mwema ni yule ajuaye kuwa na rafiki wema. Un bon mari, c'est quelqu'un qui ne se querelle pas avec les gens. Mume mwema ni yule asiyefarakana na watu wote. Quelqu'un qui a sa famille. Mtu anayekuwa katika jamaa. Mais il a d'autres personnes en dehors de la famille qui viennent renforcer les liens familiaux. Lakini ana watu wa kutoka nje wanaokuja unga mkono ile kifungo cha jamaa. La Bible dit. Biblia inasema. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Anayejipatia marafiki wengi hujiletea taabu. Anao kwa ajili ya siku yake ya shida. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Lakini kuna rafiki aliye mzuri kuliko ndugu. Na kuna kwaka mtu ni rafiki ukimupata unasikia naye iko sawa alishakuwa wa mujama. Ndiyo. Quelqu'un dont tu peux trouver comme ami et tu sens comme s'il est devenu quelqu'un de la famille. Na ukipata mwanamke mupenda watu. Et si tu trouves une femme qui est sociable avec les gens, tu trouves un mari sociable avec les gens, c'est la grâce qu'on t'a donnée. Amen, amen. Le huitième point, c'est la fidélité qui donne la confiance. Le neuvième point,
c'est ilikuwa la serviabilité, le courage. Kutumikiana, kusaidiana na juhudi. Et le dixième point, pointi ya kumi, c'est la patience. Ni uvumilivu. La patience. Uvumilivu. Être patient. Kuwa mvumilivu. Dans le foyer, il faut se patienter. Katika unyumba yafaa kuvumiliana. C'est être courageux. Ni kuwa na juhudi. De patienter les failles de l'autre. Na kuvumilia mazaifu ya mwenzako. Se réserver dans certaines décisions. Kujihadhari katika uamuzi fulani. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu.